Et je suis avec Sancho de Cuba, que le Sancho pour la salsa. Ok, on est là pour un autre unboxing de l'horreur. Oui, et pour on parle de la The Bam Box. The Bam Box, mais horreur pour l'unboxing de l'horreur. Oui, d'horreur. The Bam Box Horror. Une nouvelle boîte de The Bam Box Horror. À chaque mois, ça vient un peu remplacer The Horror Block, The Nerd Block, qui n'existe plus. Par contre, elle est très, très mince. Donc, c'est surtout des produits dédicacés, des photos, des dessins, des, voilà. Donc, des art prints. C'est le sel d'octobre, donc j'imagine qu'elle doit atteindre son pic d'horreur pour l'Halloween, le mois d'octobre. Donc, ne tardons plus. Et on va pouvoir ouvrir The Bam Box Horror du mois d'octobre. Non, Sancho, il n'y a pas de thème. Ils les ont enlevés, en fait. Il y en avait avant. Pas pour la Bam Box Horror. Elle est sortie après qu'ils aient retiré les thèmes. Voilà. Donc, par contre, je pense qu'ils garantissent un article signé à l'intérieur. Et, oh oui, sur ces réseaux, disons... le papier de soie. Voilà. Donc. Oh, j'ai posé du métal. Ok. Donc, et on va commencer avec Rabbit in Red, Burn the Rabbit, par Joe Chianakas. C'est son livre, en fait, en version digitale. On peut aller le télécharger. Par contre, on a son autographe. Voilà, pourquoi pas. Oh, Dolphin Hotel, Room 1408, Key Replica. La réplique de la clé de la chambre 1408. C'est exactement ça. Elle fait peur juste à voir. Très, très bien. Wow, pour vrai. Wow, l'édition Bam Box Horror. Wow, je suis content, parce qu'ici ça va. Oh, le pins, Jack Nicholson, comme on peut le voir dans The Shining. Très, très bien. Patch, brain scan, ouais. On continue, qu'est-ce que c'est que cette plaque d'auto? California, malheureusement ça ne me dit rien. Bon, d'accord, là on vient avec les photos. Oh, d'accord, Sam de Trick or Treat. Autographié par l'artiste. Génial, avec le certificat d'authenticité. Steve McGuinness. Très bel art print en fait. Ouais, ouais, ouais. On continue. Oh, un autre certificat d'authenticité. Oh, c'est PJ Souls qui jouait Linda dans le film de John Carpenter, Halloween. Signé par elle. Très, très bien. Voilà, c'est de ça que je parle. Excellent. J'adore. Et voilà, c'est fini. Il y avait du beau stock. Bien sûr, c'est pas fait pour tout le monde. Faut vraiment aimer les art prints, aimer les affaires dédicacées, autographiées, et surtout aimer l'horreur pour celle-ci. Satisfait de la box. Je savais pas quoi trop m'attendre exactement. C'est tout nouveau chez eux, la box d'horreur. Mais je suis quand même satisfait. Je me rappelais pas trop des licences au moment de l'unboxing. Halloween, The Joker Carpenters, Trick or Treat, Christine, Shining, Dark Matters. Donc, des licences quand même assez sûres, voilà. Et quand même assez matures. Ils auraient pu faire Ghostbusters et tout ça. Puis ramener ça un peu plus adolescent. Mais non, ils sont allés directement vers des franchises d'horreur carrément. C'est sûr que c'est pas une boîte que je recommanderais à chaque mois. À moins qu'ils viennent me teaser avec une personnalité connue, un artiste connu. Dans ce cas-là, on va foncer. Mais pour l'instant, rendez-vous en octobre prochain. Si je devrais choisir mon article préféré, j'irai avec la photographie d'Halloween de John Carpenter avec PJ Souls. Mais je veux savoir, vous, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quel est l'article que vous avez
plus préféré. Ça m'intéresse. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, ben, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.